Depuis sa création en 1847, le diocèse de Port-Louis a connu 11 évêques. Le cardinal Jean-Marc Géhaud et son successeur Maurice Piat sont les deux premiers Mauriciens à assumer ce rôle de premier plan. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au parcours de Mgr Maurice Piat, 11e locataire de l'évêché de Port-Louis. Au lendemain de ses 75 ans et ses 25 ans d'épiscopat, Mgr Piat, évêque des missionnaires, ose un nouveau projet pastoral et éducatif avec toute l'Église. Qui est Mgr Maurice Piat? Que dire de son style? Quel héritage nous laisse-t-il? Le principal concerné, ainsi que ses proches et collaborateurs, nous répondent. Quand Modan Séminaire, les temps m'autant dire que c'est Maurice Piat qui pouvine le futur évêque, ça a un, comment dire, encouragement encore plus, parce que mon pensée, à ce moment-là, c'est Mgr Piat qui peut ordonner-moi prêtre. Ça 25 ans de épiscopat de Mgr Piat, nous sommes capables de considérer qu'il est fin très mouvementé et fini dans une mouvance, un mouvement à l'intérieur de l'Église comme dans la société mauricienne. Mais en même temps, il est donc en avant pour le guider et il nous fatigue parfois. Il nous fatigue parce qu'il nous fait courir. Et de manière un peu humoristique, des prêtres ont dit que l'évêché et le tabor, qui était le lieu de réflexion des prêtres, s'excitaient mutuellement et les prêtres se sentaient cravachés par lui. Pour moi, l'évêque est un vrai béager. Et moi, je dirais même, c'est mon opinion personnelle, un béager à l'image du Christ. C'est-à-dire, c'est celui qui va à la rencontre de ses brebis. Monseigneur a été, bien sûr, un homme qui, par le caractère qu'il possède, donnait à son ministère, je dirais, une lumière, non seulement pour son peuple, mais pour toute la nation mauricienne. De Moka au siège apostolique de Port-Louis, rencontre avec Mgr Maurice Piat, homme, religieux, prêtre, missionnaire, évêque, mauricien, qui préside au destin de plus de 400 000 catholiques. Je suis content de dire un grand merci au Seigneur pour ça l'Église qui est devant moi. C'est l'Église qui est à Maurice, parce que sans ça l'Église-là, je ne suis pas capable d'arriver quand je suis arrivé, faire ma mission, comment je sais faire. Mgr Maurice Piat, bonsoir. Nous avons voulu, pour évoquer les moments importants de tout un parcours, de toute une vie, comme prêtre et comme évêque, nous retrouver dans ce lieu que vous connaissez bien, le Tabor, puisque on peut dire que ce lieu, cette maison, ce jardin immense, est imprégné d'un tas de souvenirs marqués par votre présence. D'abord comme prêtre et ensuite comme évêque. Alors pour évoquer tous ces moments, on a voulu venir ici, dans ce lieu chargé d'émotions et surtout d'émotions récentes, puisque c'est là que récemment, le peuple chrétien et la grosse foule de Mauriciens s'est retrouvé pour fêter une étape importante de votre vie d'évêque, vos 25 ans d'épiscopat. Alors à cette occasion, il y a eu une grande manifestation, beaucoup d'émotions, je pense. Et comment vous-même vous avez vécu cet événement? J'ai vécu ce moment avec bonheur, avec émotion aussi, et avec une grande reconnaissance, je dois dire. D'abord, une reconnaissance toute simple envers tous ceux et celles qui ont organisé cet événement, qui se sont mis en quatre pour faire arriver les gens, des surprises comme celle de Mgr Aubry, surtout les deux vicaires généraux, à qui je dois une grande reconnaissance, et aussi beaucoup, beaucoup d'autres. C'était un moment où j'ai pu avoir le temps un peu de relire ces 25 ans et de rendre grâce pour tout ce que m'a été donné de vivre, reconnaître les faiblesses aussi. Et c'est beau quelquefois, vous savez, quand vous êtes arrivé un peu loin dans une marche, de revoir ce chemin parcouru et tout ce qu'il a porté. Car entre un évêque et son peuple, c'est une grande histoire d'amour, comme le rappelle l'anneau épiscopal. C'est à Moka, un jour de juillet 1941, que Maurice Piat voit le jour. Dehors, la Deuxième Guerre mondiale fait rage. L'année précédente, pour protéger le pays des affres de la guerre, Mgr James Lynn fait ériger le monument de Marie-Reine de la Paix.
Les années s'écoulent, le jeune Maurice Piat grandit en sagesse et en grâce à l'ombre de son père dont il porte le nom et de sa mère Alix. Moi je garde un souvenir comme ébloui de ce temps à... La maison s'appelait Béthanie, à côté d'ici comme vous dites. Malheureusement cette maison a été détruite maintenant. Mais là nous étions 8 enfants dans la famille et nous avons vécu des choses vraiment extraordinaires. Des moments difficiles aussi, il faut le dire, hein, parce que toute famille passe par des crises, par des épreuves. Mais nous avons reçu une éducation très forte, si je puis dire, très exigeante, mais en même temps aussi très frugale. Nous n'avions pas, mon père n'avait pas de voiture, par exemple, il n'y avait pas de campement, et on était très, très attachés à ce lieu de la maison et où nous autres, enfants, nous avons beaucoup contribué à l'aménagement du jardin, au nettoyage de la maison, à l'aménagement de nouvelles pièces, etc. Et nous étions partie prenante comme d'une aventure là, à Béthanie. C'est à côté du Tabor que celui qui se destinait à être architecte élit domicile avec sa famille. C'est là que naîtra sa vocation. À un moment donné, dans ma vie d'adolescent, vers les 15-16 ans, j'ai comme si eu une intuition que le plus grand service possible à rendre aux hommes et aux femmes, c'était de leur partager l'Évangile, que l'Évangile avait quelque chose de très fort, de très beau, de puissant à apporter à la vie concrète des hommes et des femmes. Et j'ai eu comme dans un flash, et un flash qui reste encore aujourd'hui, que c'est un grand service à rendre que de témoigner de l'Évangile. Ça vaut la peine d'y consacrer sa vie. Enfant, nos parents nous conduisaient assez souvent au pèlerinage du Père Laval ou simplement pour une visite. J'avais eu l'occasion de lire un peu sa vie. Et ça m'avait beaucoup frappé, cette figure d'un missionnaire qui quitte tout et qui vient dans une île très éloignée de tout ce qu'il a pu connaître pour y témoigner de l'Évangile auprès des plus pauvres du pays. Alors cette figure-là m'a beaucoup marqué, mais aussi le fait d'être comme si disponible au Seigneur comme au-delà de mon pays. J'aurais pu être envoyé ailleurs en mission, j'étais disposé à ça. Après des études en Irlande et à Rome, Maurice Piat est ordonné prêtre en 1970 aux côtés d'un certain Gérard Sullivan, avec qui il a étudié au collège du Saint-Esprit avant d'y travailler comme professeur et catéchète. À l'âge de 11 ou 12 ans, je ne me souviens plus, 11 ans peut-être, lorsqu'il était question de choisir un collège où j'allais faire mes études secondaires, j'avais eu ce qu'on appelait à l'époque la petite bourse, mes parents ont tout de suite décidé de me mettre au collège du Saint-Esprit. Et à cette époque, le collège du Saint-Esprit n'avait pas du tout l'aura qu'il a aujourd'hui. Et je me souviens que j'avais deux oncles, un du côté de mon père, l'autre du côté de ma mère, qui avaient été au collège royal. Et quand ils ont appris que j'allais au Saint-Esprit, ils ont débarqué à la maison pour dire à mon père, « Mais tu es un fou! Ton fils a eu la petite bourse et tu l'envoies au Saint-Esprit, c'est au collège royal qu'il doit aller !» Tranquillement, mon père les a laissés causer. Il dit « Non, c'est au Saint-Esprit qu'il ira. » Et je dois dire que je n'ai jamais regretté. Parce que l'éducation que nous avons eue là-bas, que nous avons connue ensemble, était très très riche. C'était, je crois, 7 ou 8 prêtres à l'époque. Et puis plus tard, quand j'ai terminé mes études, on m'a envoyé comme enseignant au Collège du Saint-Esprit. La fibre pédagogue, dans le sang et dans le cœur, le père Maurice Piat s'occupe à la formation des futurs prêtres au foyer Murphy à Vacoa. Pour mieux armer les séminaristes et les jeunes en recherche, le jeune pasteur va avec ses collaborateurs lancer un parcours de formation spirituelle et humaine pour les jeunes, le groupe 40. Pour cela, le père Piat s'installe au Tabor. Il y accueillera en 1989 Jean-Paul II, le pape devenu saint. Le père Silvio Lodoisca, qu'il rencontre entre-temps à la paroisse de Saint-François d'Assise à Pamplemousse, sera l'un des premiers bénéficiaires du groupe 40. Silvio Lodoisca qui recevra l'ordination sacerdotale des mains de Mgr Maurice Piat
En 1982, Maurice Piat gagne l'idée pour lancer Groupe 40. Et automatiquement, puisqu'il est dans Pamplemousse, il invite un jeune Pamplemousse, moi parmi, pour faire partie dans Groupe 40. Pour moi, c'était une découverte extraordinaire. Beaucoup de bonnes affaires que j'ai découvertes, la foi, moi-même personnellement, les autres, j'ai découvert ça à travers Groupe 40. En 1985, là, nous lançons Groupe 40, première année, Goodlands, avec Pierre Guichou. Notre aventure a encore commencé. C'est un peu ça, l'expérience-là qui me donne moi le goût. J'ai des années l'idée un peu pour Vin Prêtre. J'ai déjà causé ça avec Maurice d'ailleurs, qui s'envoie moi avec Roger Cerveau, et faire un cheminement. Et puis, surtout avec Groupe 40, qui, comment dire, précise un peu ça, l'idée pour Vin Prêtre là. Moi, je tout le temps admire Monseigneur Piat, il a une qualité extraordinaire. Je me rappelle qu'il y a un groupe de jeunes dans Pamplemousse. Chaque samedi soir, il fait un devoir, il visite nous. Et quand il vient, il passe 5 minutes, 10 minutes maximum. Mais dans un petit laps de temps-là, il aide nous beaucoup pour faire nos cheminements. Retour à Marie-Reine de la Paix le 19 mai 1991, sur les flancs de la montagne des Signaux, le peuple chrétien et toute l'île Maurice voient la consécration du deuxième évêque mauricien au lendemain de l'indépendance. Maurice Piat est un leader, mais un leader qui marche aussi avec son peuple, qui est au milieu de son peuple, qui le suit. Donc il lui arrive d'être à la remorque et de se laisser conduire. Et quand il est devenu évêque, j'étais à Rodrigue, je lui avais envoyé un petit mot pour lui dire « You are the right man in the right place » et je le disais très profondément parce que je savais que l'héritage de Mgr Marjou, du cardinal, n'était pas facile. C'était un monument historique de l'indépendance et que son successeur allait avoir à faire face. Eh bien, je me basais sur le fait que je connaissais Mgr Piat comme un grand bosseur, grand travailleur, en avaleur de bouquins, comme un homme très spirituel et avec une très grande compétence théologique, mais surtout un homme qui avait une expérience de terrain. La pluie du matin n'arrête pas le pèlerin. Les premiers pas ne seront pas de tout repos. Surviennent les crises, celles du malaise créole au lendemain de sa prise de fonction. Donc la question créole, la situation des manes créoles dans l'Église ou dans la société mauricienne, les films demandent un grand sens de l'écoute. Et me rappelle là qui justement dans ce contexte là, au lieu de laisser une réaction, Mgr Piat prend l'initiative pour démarrer une série de consultations. Une série de consultations, un questionnaire envoyé dans différentes paroisses. Et c'est à partir de ce qui est récolté depuis de ma paroisse, c'est là qu'il fait sortir une lettre, la fameuse lettre qu'il appelle le malaise créole. Ce qui fait permettre une évolution, ce qui fait permettre comme si les choses avançaient, c'est que Mgr Piat, il y a un démon dans sa situation-là. Bien sûr, c'est un être humain. Nous avons le poids de l'histoire, nous avons nos propres histoires personnelles. Mais dans cette situation-là, la simplicité, voilà la qualité qui me considérait, simplicité. Quand on est simple, n'importe qui du monde qui a senti à l'aise pour approcher, il est là où il est accessible. Donc, il est important et il y a ça. Et troisième qualité qui je pense, qui fait beaucoup aider, c'est qu'il y a un bon communicateur. Et ça, c'est probablement les enseignants, donc pédagogues. Et donc, si, quand on a un problème, quand on besoin explique le problème-là, quand on peut propose une piste comme solution, si on communique mal, ben, le problème-là empire. Il nous a raconté récemment, à l'occasion de son 25e anniversaire d'épiscopat, on était en confidence, il nous a raconté que Roger Cerveau, feu Roger Cerveau, lui avait dit « Fais attention, ce sera un problème de l'avenir sur lequel tu auras à gérer. » Et je considère qu'il l'a très bien géré.
même s'il s'est laissé remettre en question lui-même, parce que lui-même, de sensibilité blanche, européenne, il y a beaucoup de choses dans le monde créole qu'il n'avait pas compris au départ, et que dans lequel il s'est laissé entraîner, il s'est laissé, je dirais, éduquer. Le malaise créole a été évoqué pour la première fois à une réunion à Grand-Go par le VACAVO, un 31 janvier 1993. Et moi, je prenais la charge du diocèse après Mgr Margeau le 15 mars de la même année, c'est-à-dire 6 semaines plus tard. Et oui, ça a été un choc, je dois dire. C'était un choc parce que peu de gens s'attendaient à une telle expression. Mais l'expression était forte. Elle était comme une houle puissante qui déferlait. Et alors, à ce moment-là, j'ai eu l'intuition, avec quelques autres, d'aider l'Église à en parler. De prendre du temps pour réfléchir à d'où ça venait, où ça nous conduisait, qu'est-ce que ça nous disait. Et alors, on a pris jusqu'au mois d'octobre de la même année, un peu plus de 6 mois, à réfléchir, à en parler. Et puis, à la lumière de tous ces partages, j'ai fini par écrire un petit texte qui était ma première lettre pastorale à l'époque. Mais je dois dire que ce qui a commencé comme étant libellé ainsi le malaise créole, a évolué beaucoup. Et aujourd'hui, on ne parle plus de malaise créole, on parle de la culture créole, des créoles, de la langue créole, etc. De la cause créole. De la cause créole, oui. Mais sans parler nécessairement de malaise, ça dit quelque chose, je crois. C'est-à-dire, c'est comme ça que je relis ça un peu, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où les créoles se sont sentis accueillis et respectés dans l'Église, lorsqu'on respectait leur langue, leur culture, leur personne, et qu'on accueillait volontiers qu'ils aient une place importante dans l'Église, à partir de ce moment-là, petit à petit, des choses ont un peu changé, il me semble. Et puis, il y a eu aussi un dynamisme. Je ne dis pas qu'il y a une relation de cause à effet nécessairement, mais il y a un dynamisme aujourd'hui dans le milieu créole et qui insiste sur l'éducation de leurs enfants, qui vont jusqu'à envoyer leurs enfants faire des études à l'étranger ou des études universitaires à l'île Maurice, et qui montrent un grand dynamisme, une grande capacité de se réveiller, si je puis dire. Une décennie plus tard, c'est la bataille légale dans le secteur de l'éducation qui monopolisera l'attention. Une page difficile pour l'Église et pour son évêque en première ligne. Et la bataille légale s'est déclarée à partir du moment où nous sentions que les écoles catholiques, si on ne faisait pas attention, auraient un nombre de catholiques insuffisant pour qu'elles puissent continuer à porter le titre d'une école catholique. Il y a un nombre d'élèves, d'enseignants qui est nécessaire. On doit accueillir, mais on doit rester soi-même aussi. Alors, il y a eu toute cette réflexion qui s'est un peu focalisée à un moment donné, du point de vue légal, sur la question des admissions en première année du secondaire. Nous avions plaidé pour les fameux 50%. Et il a fallu, on a peut-être trop insisté nous-mêmes sur certains critères trop marqués. Et on a perdu le procès ici en Cour suprême. On a voulu aller au conseil privé de la Reine, on l'a perdu là-bas aussi. Ça a été un moment de déception, il faut le reconnaître. Mais je dois dire que après cette première réaction de déception, il y a eu toute une réflexion qui s'est faite avec tous les responsables de l'éducation catholique. Et petit à petit, on s'est dit que à partir de cette réalité que nous avions perdue, notre procès, est-ce que ce n'était pas le moment de faire une révolution plus profonde, sous l'impulsion de notre synode, et d'ouvrir ces collèges davantage aux plus pauvres? Pas entièrement, et c'est à ce moment-là que nous avons voulu ne pas rentrer dans la course pure et simple La fabrique d'une élite seulement. Oui, la course pure et simple aussi, de meilleurs résultats, meilleurs collèges. On a voulu ouvrir un certain nombre de places, parmi les critères que nous avions, aux faibles, aux moyens, comme aux bons. Nous pouvons trouver que l'intervention de l'Église est dans le domaine de l'éducation et pour une plaidoirie pour l'utilisation de langue maternelle, pour influence beaucoup.
influence beaucoup l'éducation nationale et c'est ça qui peut déboucher effectivement en 2012 à l'introduction créole mauricien. Deuxième projet éducatif qui pouvait aussi avoir l'impact, qui pouvait avoir l'impact au niveau national, c'est le projet Mixed Abilities. Que dans le passé, le Collège catholique tient un profil social particulier, nous facilement identifié, ça c'est telle couche sociale. Aujourd'hui, au fait, l'éducation catholique sous l'épiscopat de Mgr Piat vient vraiment à l'école, à l'éducation inclusive. Quand nous avons toute couche sociale impliquée dans un projet éducatif. Aujourd'hui, la parenthèse est refermée et cela n'a rien entamé dans les relations avec les partenaires tels que l'État et les gouvernants. J'ai appris de Mgr Majeu, c'est qu'il faut toujours avoir un respect profond pour l'autorité légitime, élue démocratiquement, quelle qu'elle soit. L'Église n'est jamais affiliée à aucun parti politique. Elle respecte les autorités qui ont été légitimement élues. À partir de là, mon expérience me montre que, surtout pour des questions sociales, que et l'État et l'Église, nous avons intérêt à collaborer. Je vous donne un exemple qui illustre cela très bien. Je me souviens que dans les années, 95, 96 peut-être, on constatait que beaucoup d'hommes dormaient dans la rue. Et on cherchait, nous tous, on cherchait un peu comment faire, quoi faire, etc. Et je me souviens d'un ministre de la Sécurité sociale à l'époque, qui nous avait rencontrés et qui nous a dit « Si vous avez un morceau de terrain, je suis disposé à financer un bâtiment et à donner une certaine subvention si vous avez des volontaires, des personnes qui veulent s'occuper de ces hommes qui sont dans la rue. 365 jours sur 365, hein, ce n'est pas une question d'un jour quand on peut. » Et c'est comme ça que le premier abri de nuit est né. Ça veut dire que nous avons mis un morceau de terrain à la disposition de ce projet. L'État nous a aidés à construire et soutient l'effort constant, quotidien, de ces volontaires extraordinaires qui donnent un accueil, qui soutiennent ces gens de la rue. Comme ça, il y a, je crois, vous savez, pour le travail social, ça demande du volontariat. On dira ce qu'on voudra. On ne peut pas faire ça pendant les heures de bureau. Alors, il faut que les fonctionnaires travaillent pendant les heures de bureau et fassent leur travail de fonctionnaire. Mais il faut aussi qu'il y ait des volontaires qui soient disponibles un peu plus long, à d'autres heures. Alors, il faut que ces deux types d'engagement puissent travailler ensemble. Pour la drogue, c'est la même chose. C'est la même chose. Vaste combat. Vaste combat, oui. Oui, je vous dis. Oui. Un vaste combat parce que la drogue a besoin de certaines structures, de certains moyens financiers, entre autres. Ce combat-là a besoin de ça. Mais ça ne suffit pas du tout. Le juge Maurice Roux a dit dans son rapport, à la fin de son rapport sur la commission qu'il présidait pour le combat de la drogue en 83, il a dit « La meilleure arme dans le combat de la drogue, c'est l'amour. Or, l'amour, on ne peut pas l'acheter. » Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose. Parce que la drogue doit être considérée non pas comme un délit, je veux dire la consommation de la drogue, n'est pas un délit, c'est une maladie que les experts aujourd'hui nomment d'un nom précis. Alors, c'est important de traiter les personnes malades avec les moyens dont on se sert pour les aider à sortir de la maladie, non pas comme une offense. Alors, c'est un des points sur lesquels nous plaidons actuellement. Maurice Piat, un évêque pour l'Église et pour le peuple mauricien.
Ses armoiries témoignent de son amour pour le pays qu'il a vu grandir. L'arc-en-ciel rappelle ici notre île et sa diversité culturelle. Dès les débuts de son ministère de prêtre, Maurice Piat est envoyé en Inde pour un stage, une expérience culturelle et spirituelle qui façonnera son cœur de pasteur ouvert sur les autres, sur le monde, comme le souligne le père Philippe Goupil, président du Conseil des religions. Ne pas vivre en isolation, ne pas vivre, on dirait, loin de l'île Zisnu, l'Isman catholique, nous vivons aussi man autrement croyants, man les autres communautés. Donc il est important qu'il nous gagne man outils, comprend man phénomène qui est sociologique dans nos pays. Et par exemple, dans man cours que l'Église donnait, cours études sociales, cours histoire de l'Église, que tout le monde intervenir, ça me croit, c'est man jalon, man base que sous l'épiscopat de Mgr Piat fin posé, qui permet de maintenant guetter l'avenir avec plus de sérénité. Ce dialogue s'exprime aussi au plan écuménique avec les autres courants chrétiens. Il faut dire qu'à Maurice, les grands courants, les grandes tendances chrétiennes, les grandes sensibilités chrétiennes se retrouvent très, très florissantes. Oui, tout à fait, tout à fait. On a les mêmes défis, hein, on a les mêmes défis. Alors, comme vous savez, les autres églises, d'abord, c'était les grandes églises reconnues, c'est-à-dire l'église anglicane, l'église presbytérienne. Et puis petit à petit, depuis relativement récemment, hein, depuis les dernières décennies du XXe siècle, ont apparu dans le paysage beaucoup d'églises évangéliques, églises de Pentecôte, qu'on appelait autrefois des sectes, mais ce n'est pas un terme approprié. Et alors, au début, on se méfiait d'elles beaucoup, parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'anglicans, de catholiques, de presbytériens sont passés dans ces églises-là. Mais moi, je dois dire, depuis que je suis évêque, en lien avec Mgr Ernest surtout, et les autres du groupe, on a fait un chemin dans la rencontre, dans l'appréciation mutuelle de plusieurs responsables de ces autres églises, églises évangéliques ou de Pentecôte. Et je dois dire que ça dit quelque chose, parce que ce que nous avons en commun est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Ce que nous avons en commun, c'est l'Évangile, c'est la foi dans le Christ. C'est ça, on a des styles différents, et peut-être sur certains points, on a une doctrine légèrement différente, mais sur l'essentiel, c'est comme le langage commun de ces églises-là. C'est l'Évangile. Et c'est très important de approfondir ce qui nous unit, plutôt que de tout le temps se bagarrer sur les choses qui nous séparent. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II disait « Tout ce que vous pouvez faire en commun, faites-le ». Et en se découvrant, avec ce respect mutuel, nous sommes capables de nous donner la main. Ce qui explique les différentes initiatives que nous avions accomplies ensemble. Et la première, c'était des rencontres régulières, où il y avait un brin d'amitié, mais aussi un partage de repas, que je chéris énormément, et cela a développé profondément cette amitié. Et puis, il y a eu des prises de position concernant l'avortement. Je sais que l'Église anglicane à travers le monde n'a pas les mêmes prises de position, ce qu'on m'a reproché un petit peu ici. Nous avons une prise de position beaucoup plus libérale, mais ma conviction évangélique m'a permis de travailler conjointement avec Monseigneur et de faire une prise de position qui, pour moi, définitivement traduit ce respect à la vie dont je crois et ce respect pour la vie. Et c'est pas l'Église anglicane, l'Église catholique, mais c'est l'Église qui donne une étoile à suivre et en même temps qui donne des conseils pour le bien-être et l'épanouissement de tout un peuple. Une collaboration, une solidarité qui se manifeste aussi au plan régional. Mgr Maurice Piat préside la conférence des évêques de l'océan Indien, bien plus qu'une collaboration, une amitié entre les îles. Je me souviens du jour de ton ordination épiscopale à Marie, reine de la paix. Au moment de l'offertoire, il y a ta maman qui portait des offrandes aussi, qui était dans la procession. Et je me disais à ce moment-là, mon Dieu, que c'est beau
de voir une famille et une maman qui offre son fils encore et encore et encore, voilà, pour qu'il puisse servir l'Église qui est à Maurice et servir aussi dans la mission de l'Église et par la mission de l'Église, la nation mauricienne. L'épiscopat de Mgr Maurice Piat, c'est 26 lettres pastorales et des interventions sur divers sujets, allant de la drogue à l'avortement en passant par la pauvreté. Mais s'il y a un thème qui lui est cher, c'est bien celui de la famille. L'évêque de Port-Louis a d'ailleurs occupé un rôle majeur lors du synode de la famille en 2015 à Rome. Nous venons d'une famille, dans nos familles il y a des divorcés remariés, dans nos familles, il y a des blessés. Nous sommes dedans, nous ne sommes pas en dehors. Et comme toutes ces questions arrivent en même temps, quelquefois c'est lourd. C'est des questions qui sont différentes ou qui sont abordées différemment à cause du lieu dont on parle. C'est dans la famille que la très grande majorité des chrétiens a découvert la foi. C'est-à-dire la famille est l'agent le plus fort et le plus constant de la transmission de la foi. Et c'est vrai, la famille aujourd'hui aussi est à l'épreuve de toutes sortes de sollicitations, de toutes sortes de propositions de déviation, etc. Mais le rôle de l'Église, c'est d'encadrer, de soutenir la famille de différentes manières pour qu'elle puisse jouer son rôle unique, son rôle qui est irremplaçable, et pour la stabilité d'une société, et aussi pour la vitalité de l'Église. Un aspect de ce rôle de la famille qui est extraordinaire à mon sens et qui dit beaucoup, c'est que c'est dans la famille qu'on apprend à être gratuit. Par exemple, un couple ne peut pas se construire et durer sans un amour gratuit. S'il y a un deal entre les époux, ce n'est plus de l'amour, ça ne va pas bien loin. Deuxièmement, un couple qui attend un enfant. Cet enfant est aimé avant qu'on sache qu'est-ce qu'il deviendra. Bien sûr, avec les technologies modernes, on peut savoir quelle sera la couleur de ses cheveux, quel sera son sexe, quelle sera la couleur de ses yeux, etc. On ne saura jamais quelle personne il sera. Et cependant, les parents l'aiment gratuitement avant. Et puis, plus pratiquement, dans la vie d'une famille, on est appelé à se rendre service quotidiennement, gratuitement. Cette gratuité, c'est ça dans notre vie humaine qui est le reflet le plus authentique de l'image de Dieu. Et c'est ça qui sauve une société. Mgr Piat, qui n'en est pas à son premier synode, à l'aube de l'an 2000, l'évêque de Port-Louis convoque les forces vives de son diocèse pour repenser la mission de l'Église à Maurice, dans un contexte d'une société en pleine mutation et d'un manque de prêtres. Parole libérée entre revendications et aspirations du peuple chrétien, l'Église en ébullition. En fait, ce qui m'a frappé toujours chez Mgr Piat, c'est son souci permanent, je dois dire, de s'assurer toujours que l'Église à Maurice est fidèle à la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est un premier point. Et puis, que dans toutes les décisions qu'il avait à prendre, il ne les prend jamais seul. Il s'entoure toujours d'une équipe, il prend son temps pour une période de consultation, etc. Il a privilégié tout le temps une pastorale d'ensemble. Il a toujours voulu garder cet esprit synodal. D'ailleurs, dans sa lettre, il a publié, vous connaissez cette petite lettre qu'il a publiée, savons que le synode s'est marché ensemble, donc il demande à son église à Maurice de continuer à marcher dans un esprit synodal afin que notre église soit toujours plus fidèle à la mission que le Christ lui a confiée. Ça veut vous dire, pour lui, c'est un souci permanent. Ensemble avec tout son diocèse, faut suivre de son diocèse, ils réfléchissaient ensemble comment mettre ces orientations synodales en œuvre. Et pour quoi commencer? Il y avait 5 orientations synodales. Donc, pour quoi commencer? Il ne l'a pas décidé, nous allons commencer par l'option préférentielle pour les pauvres ou autre chose. Non. Il a
tâter le pouls, j'appelle ça moi, tâter le pouls de son diocèse pour savoir pourquoi commencer. Et on pouvait remarquer aussi qu'après, l'assemblée synodale se tenait toujours vers la fin de l'année. Et la lettre pastorale suivante prenait, c'est-à-dire il était à l'écoute vraiment de ce qui se disait, il entendait ce qui se disait et il tenait compte de ce qui se disait. C'est comme ça qu'il a toujours voulu, pour moi, j'ai réalisé, j'ai pris conscience que tout le temps, mon Seigneur, c'est comme ça qu'il agissait. Et après, dans ses lettres pastorales, on voyait qu'il avait repris certains points qui avaient été discutés pendant les assemblées synodales. Le synode a permis de découvrir et de rectifier une série de choses qui, à l'époque, n'étaient pas évidentes. Et le simple fait de faire remonter de la base certaines expressions a bien montré les failles et aussi les aspirations du peuple de Dieu là-bas. Tout à fait. Oui, j'ai senti dans la fin des années 90 combien le peuple avait une soif de s'exprimer, de dire ce qu'il vivait, de dire ce qu'il appréciait dans la manière de faire l'Église, ce qu'il n'appréciait pas aussi, et d'avoir une espèce de responsabilité commune pour faire que l'Église soit plus fidèle à sa vocation. Alors, ça a été un grand défi hein, de donner de la parole à tous ceux qui voulaient. Et grâce à une équipe extraordinaire à l'époque, avec le père Zimmermann, le père Tosté et tant d'autres, voilà, on a ouvert la parole encore une fois. Et ça nous a dit des choses qu'on prenait en pleine figure aussi. Hein. Comme par exemple mettre Christ au centre d'un peuple de Dieu qui était censé trouver là sa racine. Voilà, voilà. On a trouvé des choses comme celle-là. Et puis, toutes sortes de questions de préférence dans l'Église pour certains milieux, etc. Pour l'attention aux pauvres. Oui, l'option qui était une grande. Et puis aussi la participation des laïcs dans dans l'animation de l'Église, dans le service de l'Église. Et le synode fin un temps bien fort pour l'Église, parce que les fins mobilisent tout ce monde différent. Partenaires, tout le monde qui est engagé dans différents apostolats, le social, l'éducation et l'entraide, tout ça là. Et il est là une sortie avec bonne résolution. Et ça, il finit un long exercice, imaginez, 97 à 2000, 3 ans. Et il vaut le coup. Et parce que du synode, et pas tout de suite, bien sûr, mais il y a pas mal de choses que le synode finit demander, de mémoire, moi cité, par exemple, le synode qui demande qu'il y ait une liturgie inculturée. Tu parles de l'importance qui est le Nouveau Testament en créole. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le Nouveau Testament en créole. Il demande aussi qu'il y ait la formation, mettre beaucoup l'accent sur la formation. Donc, par exemple, il y a la mise sur pied de l'ICGM, l'Institut Cardinal Jean-Margeau. Au fil des années, le poids du ministère se fait sentir. Les forces s'amenuisent. Des prêtres qui quittent le sacerdoce, le départ des proches et collaborateurs, parmi le cardinal Jean Margeau en 2009, porte un sérieux coup au moral de Maurice Piat. Sa santé ne sera pas épargnée. Après un zona, ce sont ses artères obstruées qui le ralentissent en cette fin 2014. La montée s'annonce difficile. Mais comme le confirment ses proches, Maurice Piat n'est pas homme à renoncer. En fin de mandat, il s'appuie encore une fois sur son motto, pousse vers le large et ose un nouveau projet pastoral pour l'Église, avec l'Église. Après le synode de l'an 2000, le nouveau chantier s'appelle Cléopas, annoncer et transmettre l'Évangile aujourd'hui, dans un contexte de sécularisation où la parole de l'Église doit composer avec toutes sortes de propositions, certaines pas très catholiques. On se rend compte que le synode, ça prend du temps pour appliquer les aspirations, mais et qu'il faut comme un nouveau souffle au fond. Est-ce que toute l'intuition aujourd'hui qui anime cette nouvelle étape de l'Église, parce qu'on va aborder cet autre mot magique à la fin de votre parcours, c'est le mot Cléopas. Est-ce qu'on ne retrouve pas ces aspirations oui, au sein même de ce... Au fond, il y a une continuité finalement. Il y a une continuité qu'on a découverte en chemin, qui n'était pas voulue au départ. Parce que... En une dizaine d'années après la promulgation des orientations du synode, c'était dans les années 2010 à peu près, nous avons voulu faire une relecture, voir qu'est-ce qu'on avait fait de ce synode. Et nous avons vu que
Nous étions occupés beaucoup de l'option préférentielle pour les pauvres. On avait ouvert des collèges dans des endroits défavorisés. On a mis des structures pour Caritas dans les paroisses, etc. On a fait beaucoup aussi pour la participation des laïcs dans l'animation, dans la vie de l'Église. Et puis, on a fait beaucoup pour la formation également. Tout ça a été demandé par le synode. Et la première orientation du synode, celle qui dit d'annoncer Jésus-Christ comme sauveur, donner priorité à cette annonce, je ne dis pas qu'on n'a rien fait, loin de là, mais nous n'avions jamais pris cette question à bras le corps, en réfléchissant sur elle, en réfléchissant dans le sens de dire qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qui manque encore, comment faire mieux dans un pays qui, comme beaucoup d'autres pays, traverse un vent de sécularisation, avec plusieurs religions qui sont sur la place, avec une perte des valeurs morales, etc. Comment annoncer Jésus-Christ dans ce monde-là? Et c'est ça qu'on s'est rendu compte autour des années 2009-2010, que ce qui nous était demandé depuis 10 ans, ça revenait comme une vague. Nous était redemandé encore 10 ans après. Et nous étions soutenus dans ce désir de répondre à cet appel par l'Église universelle, qui parlait de plus en plus de nouvelle évangélisation, depuis Saint Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François. Et je me rappelle que le jour que nous lancions Cléopas, le 24 novembre 2013 à la Reine de la Paix, le même jour à Rome, le pape François a lancé sa grande encyclique qui s'appelle « La joie de l'Évangile » et qui nous donnait un souffle extraordinaire pour démarrer. Alors, Monseigneur, revenons un peu sur ce mot Cléopas. Pourquoi le choix de ce mot pour désigner une opération de large envergure, cette nouvelle évangélisation? Peut-être que ce serait intéressant que les gens puissent comprendre pourquoi ce mot Cléopas. C'est une appellation particulière, Cléopas. Oui. Cléopas, c'est en fait la transcription d'un nom, le nom propre d'une personne qui est donné dans l'Évangile comme étant l'un des deux disciples qui était découragé après la mort du Christ et qui abandonnait Jérusalem et s'en allait vers le village d'Emmaüs. Ces deux disciples, Cléopas et son compagnon, ont été rejoints par le Christ sur cette route. Et là, ils ont été les premiers à recevoir du Christ ressuscité comme une catéchèse. On dit du Christ qu'il passait en revue l'ensemble des Écritures et leur expliquait ce qui les concernait. C'est vraiment une catéchèse. Alors, on a vu que peut-être c'était quelque chose de comme cela qu'il nous fallait faire nous aussi. Aller à la rencontre de ceux qui étaient découragés, aller à la rencontre, comme le Christ, de ceux qui ne savaient plus où ils étaient, et de leur proposer tout simplement cette vision du Christ qui donne sa vie pour nous, qui ressuscite pour nous, et qui nous donne un espoir fou. Depuis 2013, un nouveau dynamisme a gagné l'Église. Les assises de la catéchèse, de la paroisse et des écoles sont convoquées. Le projet diocésain de catéchèse est en marche et sera promulgué le 31 juillet 2016. Comme le veut la tradition de l'Église, c'est que je soumette ma démission en tant qu'évêque de Port-Louis au pape François. C'est l'Église qui est importante. C'est l'Église qui est porteur de ce grand et ce beau témoignage à l'Évangile qui nous libère, qui nous transforme. Et les responsables de l'Église changent. Et c'est normal qu'ils changent, et c'est bon qu'ils changent. Le 13 juillet 2016, Maurice Piat annonce la nouvelle de sa démission, ouvrant la voie au choix de son successeur et à toutes sortes de spéculations. Alors que le moment du départ a sonné, Mgr Maurice Piat s'embarque avec ses troupes dans une nouvelle épopée, Cléopas, pour la pérennité de l'Église et accompagner une société qui fait face à de nouveaux défis. Nous bisons préparer ce bateau-là. Nous bisons mettre ce bateau-là dans des loups. Nous bisons pousser vers le large. Alors, nous disons comme ça. Donne-moi la main, mettre mon bateau dans des loups. Donne-moi la main, mettre mon bateau dans des loups. C'est le désir de l'Esprit et la volonté de Dieu, Monseigneur, nous monterons avec vous sur ce bateau Cléopas. Viens qu'on t'aime réunir.
Quand on regarde ce parcours, on ne peut pas ne pas évoquer la phrase que vous avez mise au démarrage de ce parcours, votre devise pousse vers le large. En quoi ce parcours, ces 25 années, ont illustré, ont incarné cette vision, cette devise? Oui. Alors d'abord, j'étais attiré toujours par ce récit du Christ qui demande à Pierre de lui prêter son bateau pour qu'il puisse enseigner. Et puis, quand pendant que Pierre, après une longue nuit de pêche, est épuisé, lave ses filets, Jésus lui dit « pousse vers le large, repars encore ». Et peut-être c'est parce que j'ai toujours habité l'île Maurice, une île, qu'on est en même temps attiré vers le large, vers plus que ce qui peut se passer à l'intérieur de la périphérie de l'île Maurice. Et mais le large, c'est aussi, comme je disais, le large de ceux qui sont loin de l'Église, ce qu'on ne voit pas habituellement. Venir après le cardinal, c'est dans l'ombre, c'est quand même un sacré défi aussi. Oui, un sacré défi, oui. Parce que bon, lui, il avait sa stature, ouais. Tandis que moi, j'étais simplement, comme je dis, one of the boys. Mais progressivement, il a fallu apprendre une manière de se situer. C'est arrivé progressivement. Et j'ai beaucoup, beaucoup reçu. Je suis très reconnaissant envers cette loyauté des prêtres à leur mission et ce soutien fraternel extraordinaire qui s'exprime dans des choses simples quelquefois, très très simples, mais en même temps qui apporte beaucoup. Vous arrivez à un tournant important de cette prêtrie, de cette expérience dans la prêtrise avec le presbytérium, puisque on le sait, vous l'avez dit et tout le monde se pose beaucoup de questions sur vous allez prendre votre retraite, vous annoncer, vous avez donné votre lettre officiellement au pape. Alors on peut se demander, non, laissons de côté toute la question du candidat, vous l'avez expliqué à plusieurs reprises, nous n'allons pas revenir là-dessus, le futur, l'éventuel successeur, mais vous imaginez quoi après cette étape de votre épiscopat? Oui, quand le moment votre viendra. Votre pension, votre retraite, vous l'imaginez comment? Quand le moment viendra, j'aimerais continuer un certain ministère. Ministère sacerdotal, comme par exemple être second dans une paroisse et donner un coup de main, ou bien disponible pour l'écoute, l'accompagnement spirituel, ou des prédications de retraite, ou un peu de formation. Être un peu un genre de freelance, si je puis dire, qui soit à la disposition encore du peuple de Dieu. Mais tout ça, c'est à voir avec mon successeur. Mais vous savez, quand on a la charge d'un diocèse, il y a ce qui pèse surtout, c'est l'administration, qui est lourde, qui est immense. Et même si je suis très entouré, je ne peux pas me plaindre, par une équipe extraordinaire qui assume cette tâche lourde de l'administration, mais il reste qu'il faut se tenir au courant de beaucoup de choses et qu'on ne peut pas toujours lire tout ce qui nous intéresse. Alors, souvent, quand je vois un livre intéressant, etc., je mets ça dans une pile, ça c'est pour ma retraite. Il y a beaucoup de choses à lire, il y a beaucoup de choses... Je crois que ma retraite ne suffira pas à faire tout ce qui m'intéresserait. Mais il y a beaucoup de choses quand même qu'on pourra faire. Et arrivé à cette étape de la route, quand nous avons évoqué tout ce parcours avec vous, vous aimeriez que le peuple de Dieu retienne quoi de votre parcours? Mais c'est tout simple. Moi, j'aimerais qu'ils retiennent que je les ai aimés.